faire changer. Pour commencer, 9h30, rendez-vous avec Madame Claudel pour la convocation au tribunal de son mari. Toutes les pièces qui manquaient sont dans ce dossier. Et le reste? 10h30, parquet pour l'affaire Vincent. En parenthèse, tu ferais mieux de prendre quelque chose au cas où cela devrait durer. Hein? Non, t'inquiète pas, j'ai bien déjeuné. Et puis après, à 2h, j'ai rendez-vous avec Steven, une histoire de vol dans l'hôpital. En tout cas. 4h, rendez-vous avec Madame Charot pour l'adoption du bébé après repos. Oh, tu sais quoi? Tant que j'y pense, appelle le commissaire du gouvernement et prends rendez-vous pour demain, si possible. Et puis après, qu'est-ce que tu dis? On ira dîner? Même endroit, on change cette fois-ci. Quand tu veux, pas de problème. On change. Je pense que tu cherches vers 7h. Disons 7h30. Faut mal faire un petit shopping. J'ai plus rien à me mettre, figure-toi. Tiens donc. Il n'y a pas si longtemps de cela, lorsque nous étions dans le barrio, cela ne dérangeait pas monsieur de se promener sans presque rien sur lui. Qui l'a joué des gueules, ça? Dis-moi. Qui ça? 12 ans, 13 ans, ouais, ça? C'est mon vieux temps. Tiens-toi bien. Devine qui vient de sortir ici pendant que tu étais allé faire des visites. Victor. Encore? Mais qu'est-ce qui n'allait pas cette fois-ci? Allez, viens là. Eh bien, figure-toi qu'il est venu ici bien sérieux et il m'a dit: Doc, tu m'as campé sous cigarette, sous boisson, sous... Sous qui ça? Eh bien... Ne me dis pas. Eh bien oui. Donc, est-ce que m'a vu depuis longtemps? Et moi, de lui répondre, je ne suis pas capable de garantir ça. Mais une chose est sûre, c'est que le temps vous paraîtra plus long. Eh bien, chérie, ne te reste plus qu'à attendre sa prochaine visite. Finalement, tu arrives. Oh, oui. Moi, j'ai été battu sur le temps, mais vraiment, je ne suis pas menti. Quand tu remportes au prince, surtout sous besoin de l'hiver, nous sommes incroyables. Ah, cher, on va bien, je sais. Excuse-moi, ouais. La même chose, s'il te plaît. Je suis désolée, monsieur. Nous avons des étuis, mais nous n'avons jamais eu de coupe cigare. En êtes-vous sûr? Oui, monsieur. Sûr, mais pas certain, très cher. Regardez là. Mais je dois être confuse. Je ne comprends pas. L'erreur est humaine, très cher. Très bien, je le prends. Combien? Combien? Oui, c'est la vente, n'est-ce pas? Oui, disons 20 dollars. Ça a bon! Hein? Ah non, mais j'aime pas! Hein? Non, je blague. Bon, pas aussi. Avec ça, écoute, j'ai plus rien à me mettre. Ils sont incroyables! Ah, mon cher papa, le bail ça. Ouais, imaginez-vous. Dernière fois, madame, elle fait une surprise à l'acheter à moi. Ah! Et bah, c'est terrible! Aussi mal que ça? Ah, pire, imaginez-vous. Chaque matin, mon mis là avec mon cravate. Eh bien, c'est quoi ça, en tout cas? Moi, j'aime pas que vous voulez. Vas-y. Non, ouais! Ok, je t'appelle. Pas de problème. Définitif pour ça. Okay. Yes. 1, 2, 3, 4 blanches. Faites comme si j'étais pas là. Continue à manger tranquillement. Je ne suis pas pressé. Je vous en remercie. Je peux vous offrir un café? Oui, ce sera avec plaisir.
Chose. Ça vient d'arriver? Oui, c'est la nouvelle collection. Nous sommes en plein marché. Oui, je vois. Vous avez une cabine d'essayage? Bien sûr. Si vous voulez bien me suivre. Merci. Alors, ça fait longtemps que vous êtes installé ici? Quelque temps déjà. On aura 4 ans cette année. 4 ans? C'est bizarre. Je ne vous ai jamais remarqué. Bon, il faut dire que je ne sors que rarement, hein, finalement. Alors? À la perfection. Hmm? C'est comme si cela était fait pour vous. Attendez. Je vais vous faire les horaires si vous n'avez pas de soirée prévue d'ici après-demain. Enfin, si je peux bien me permettre de vous poser cette question. Non, rien de prévu jusqu'à ce jour. Et même après. J'ai besoin de tout. Sous mon dos? Oh, rien de bien grave. Stéphanie me faisait simplement la remarque que ce n'est pas tous les jours qu'il nous arrive de voir un homme aussi élégant entrer chez nous. Surtout que ces derniers temps, la mode pépé est à l'honneur. Voilà, tout y est. N'oubliez pas, vos ourlets de pantalon seront prêts pour après-demain même heure. Encore merci. Merci à vous. Laissez-moi vous donner ma carte. Et puis, j'avais oublié, c'est Stéphanie, hein? Dominique. Dominique Saint-Pierre. Thank you.
arrivé, je dis à Victor qui vient en poser. Chaque deux jours, il vient en consultation. Ah, Claudine, chérie, c'est ça que je parle avec toi, oui? Ah, vous connaissez bien Victor, c'est malade imaginaire au pays, nous. Oui, Dominique, tu es là? Ça passe là. Ah, là, je vais vous poser ça, petite. Quittez-le descendre sous terre. Bon, Dominique, ramasse ton sac, on sort. Tu prends la pizza comment? Mais bien sûr. Ça passe au bon zombie? Presque. C'est qui? Alors là, ma belle, je veux des détails. Parce qu'un homme accompagné de surcroît haïtien ne s'amuse pas à saluer avec insistance une autre femme. Et ce, par deux fois. Tu veux des détails? Tu les auras. Mais on toi chaud, ok? Donne, si tu le permets, ce soir, j'aurais aimé être un petit peu plus proche de toi. Oh, mais que vois-je là? Une admiratrice, sans aucun doute. Monsieur me ferait-il des cachotteries? Comment, Alex? Qui est cette boobie que tu regardes avec tant d'insistance? Jalouse? T'inquiète pas, petite sœur, elle est inoffensive à côté de toi. Heureusement, et qu'elle se le tienne pour dire. Car j'ai des doigts sur toi depuis longtemps. Que vois-je là? Ne dirais-tu pas la face de l'ombre? Il faudrait bien que je fasse attention que tu me jettes un mauvais sort à chaque fois que mon regard croise celui d'une belle jeune femme. Je crois bien si bien dire. Ça se pourrait. Tu te souviens quand nous étions jeunes, avec la copine du barrio, et que nous étions en manque de sensations fortes? Ça nous arrivait toujours d'aller provoquer les esprits dans le cimetière par nuit de pleine lune. Milka, connaissant tes sentiments à mon égard, je peux dormir tranquillement sur mes deux oreilles. N'est-ce pas? Oui, mais connaît-on toujours la véritable nature de la femme? Milka, ça suffit. Je n'ai peur ni de toi, ni du reste. Pas encore été tous faits, vous savez. Ne vous inquiétez pas pour cela. J'étais juste passé venu vous dire un petit bonjour, c'est tout. Oh, c'est charmant. Au fait, j'étais bien étonné que hier soir nous nous sommes retrouvés. Ben, moi aussi. Vous vous êtes bien amusé au moins? Assez bien. J'étais accompagné de Milka, ma secrétaire. Ça a été bien. On vous va. Oh, excusez-moi. Attends. Allô? Claudine, ça va bien? À 11h, pizza Pam. D'accord, chérie. Je serai là. Ok, à plus tard. C'était Claudine, celle qui m'accompagnait hier soir. Et elle a une pause à 11h et m'invite à la rejoindre. Je me sauve. Donc, passez une très bonne journée et au revoir. Eh bien, ça passe là. Garde une histoire. Ouais, ou même, il faut dire qu'il a pris au fait. Parce que vous trouvez ça drôle. Pour que le mot drôle, même.
a mis du temps pour arriver. Monsieur Achille, là, ça fait plus de 2 heures qu'il attend. Ça doit être grave. Ok, ok. À propos du café, Nika. Monsieur Achille, excusez-moi. Hein. Le trafic en ville, vraiment. Oui, c'est là, ouais, je comprends. Vas-y, rentre. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici? Tout d'abord, maître, c'est un commun ami qui m'a fortement recommandé. Steven. Mm-hmm. Je connais bien. Ça va, Mika, merci. Continuez, monsieur Cachemet. Ben voilà. Lundi dernier, j'ai appris une désagréable surprise. C'est que ma femme me trompe. Et cela depuis le début de notre mariage. Pouvez-vous démontrer ce que vous avancez? Tout le monde sur le quartier, c'est ça. Nos amis, enfin tout le monde. Monsieur Achille, tout le monde n'est pas une preuve. Mais maître! Monsieur Achille, écoutez, vous voulez divorcer? Oui maître, c'est pour ça que je suis là. Excusez-moi. Écoutez, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez divorcer? Il faut prendre tout votre temps, hein? Non maître. En venant ici, j'ai déjà pris ma décision. Je veux quelque chose de clair, de bien fait. D'ailleurs, votre prix sera le mien. Que cela soit réglé le plus vite que possible. Monsieur Achille, un peu de patience. Votre calvaire est en passe de finir. Ne vous inquiétez pas. Je vous remercie, maître. Moi, c'est un homme soulagé qui sort de chez vous, là. Ce soir, je dormirai en paix. Très bien. Écoutez, je vous donne rendez-vous dans 2 jours pour certaines formalités. Et questions d'acte de naissance et tout. Donc, vous pouvez voir avec mes cas, la secrétaire. Ok. Pas de problème. Où tu vas? Pizza Parme. Mais de toute façon, si tu as quoi que ce soit, tu m'appelles sur mon portable, Milka. C'est tout. Et tu n'as pas envie que je t'accompagne? Vas-y, fais ça. Amuse-toi, profite-ça. Imaginez-moi, t'es un playboy. Je prends un 7-Up et puis une tâche de pizza. Tim, la Tim. Dites! Bon news pour vous. Voilà, tellement chaud, je ne vais pas me faire quelqu'un de temps à sa soeur. Montez de relève, ma chère. Justement, je vais de l'eau. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis là. Viens, mon amour. L'homme de ta vie vient juste de s'asseoir derrière toi. Salut, le. Et nous sommes de mes en direct à gagner jackpot. Imagine au matin, hein, c'est dans la boutique. Je mettais un peu d'ordre, tu vois. Et puis, qui est-ce qu'on est pas être sous moi, sous prétexte pour dire mon petit bonjour? Monsieur. Ya. J'étais surprise parce que, wow, je pensais qu'il était venu pour les pantalons. Tu comprends? Je comprends. Qu'est-ce qu'il était venu faire? Il était venu tout simplement me dire un petit bonjour. Ah, ah, ah. Je dis un petit bonjour comme ça. Ah. C'est super. Ça gagne là. J'ai l'impression que cela vient te trouver. Oh. Oui. Madame ni débarqué. Hein? C'est madame ni. C'est ce que t'as le mieux cas. Qu'est-ce que tu viens faire là, hein? Pas de zoom, Milka, pour te dire que c'était quoi que ce soit, non? Alex, chérie, tu vas pas en faire un là. Moi, t'es mon petit peu dans le temps. Mais elle me songe au dédi, mais t'as une pizza pas, mais venez, voilà. Ah ouais, aussi simple que ça, hein? Tu sais quoi, Milka? Tu manques un point. Alors, mesdames, quoi de neuf? C'est bon, c'est sous table à mon côté. Côté 1. Ah, zéro là. Oh, Lila, oui, mais. Il n'est pas pour quoi? C'est madame, non? Non, mon cher. C'est madame.
Mais comment faites-vous votre cousin, mesdames? Vous êtes terrible. Eh bien, en tout cas, moi-même, bon, tout profiter, par exemple. Dominique, ma très chère, tu sais combien tu es cher à mon cœur et cher à Claudine. Eh bien, voilà. Ça fait quelque temps que moi, j'ai envie d'inviter nous, au fait, inviter nous, dans un bel petit programme. Eh bien, en soirée, vraiment précis réalisé. Parce que au Café Albert ce soir, a bon bel programme. Ah oui. Eh bien, je vous invite ce soir, mesdames. Faites-vous très belles, car je sens que nous allons passer une soirée inoubliable. Tu mérites un baiser, vraiment. Allez, merci. Ne dirais-tu pas ton ami hier soir assis à côté de nous, une fois de plus? Mais enfin, Alex, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, il se passe que je n'ai plus faim. Et qu'en plus, je commence vraiment à m'énerver sérieusement, c'est avec tes insinuations. Donc, sous ce, je te souhaite bon appétit, puisque t'es grand creux, non? Alex! Alex, attends! Eh bien, ça alors? Et qui gagne, qui bigille? Le loup est dans la bergerie. Wow. Mm-hmm. Tu vois? Quelle surprise! C'est au loin encore. Comment ça va? Ça va? Bonjour. Bonsoir. Alex. Alex. Enchanté. Alors. Oui. Mais t'es bon. Merci. Une fois mes études finies, je suis rentré, je suis venu vivre ici et j'ai ouvert mon cabinet d'avocat. Et Mika elle-même, à son tour, elle est venue, elle m'a rejoint. Donc, et au nom de notre amitié, de notre enfance, etc., je me suis fait le devoir de la prendre avec moi, tu sais. Chaque jour n'est pas facile avec elle. Je l'ai toujours considérée comme la petite soeur que je n'ai jamais eue, finalement. Bon, c'est une femme avant tout. La fillette qu'elle était a grandi, vous savez, et ses sentiments aussi, bon, son comportement peut se comprendre parce que c'est logique. C'est logique peut-être pour elle, mais pas pour moi. Enfin, bon, je ne l'entends pas de cette façon, tu sais. C'est ma vie, c'est à moi de décider avec qui je la partagerai, non? Bon, oui, je suis d'accord avec vous. C'est okay. Votre doigt le plus intime. On lève le camp? Allez. J'ai besoin du dossier Steven pour y ajouter quelques pièces. Si je t'ai refait décoration bureau hein. Et puis je t'ai changé coiffure moins tout, tu vois, histoire de quoi qu'est-ce qu'il y a, Milka? Tu as des verres ou quoi? Si tu as des verres, descends à la pharmacie, va t'acheter un verre, mes filles, je ne sais pas, mais bombe la peine, quitte-moi respirer un peu.
Ouais. Je passe te prendre vers 6 heures, ok? D'accord. Tu sais, la prochaine fois que je ferai un appel, je le ferai de ton bureau, hein. Ça t'évitera de faire tant d'efforts pour m'espionner. Non, mais c'est vrai, mais quand il n'y a pas de m'affaire de haut, non? Tu sais quoi? Rends-toi utile. Te commande tous mes rendez-vous. Et puis, tu sais, j'ai besoin de me changer d'idée. De voir la beauté du soleil quand il se couche. T'entendre les oiseaux chanter. Tu arrives à comprendre, Milka? Est-ce que tu comprends ça? Tu sais... Mais, ok, Alex, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne sort pas ensemble? On pourrait aller dîner. Alex, viens, j'appelle ton histoire préférée. D'accord? Mais quand même, ne te tracasse pas comme ça, ok? J'ai juste besoin de me changer les idées un peu, ok? Allez. J'ai décidé de tout acheter sur place. C'est plus pratique. Je n'aime pas traîner derrière moi toute une série de choses qui ont déjà fait leur temps. J'aime commencer à zéro. C'est comme une nouvelle vie, vous comprenez? Je comprends, monsieur Difiro, mais votre femme, si je puis me permettre cette question. Je vous arrête tout de suite. Chère madame, vous avez devant vous le célibataire le plus vieux de la planète. À votre âge, monsieur Difiro, reste bien sérieux. Bon, ne dit-on pas toujours qu'il ne faut pas se fier aux apparences? Mais vous aurez le temps de vous en rendre compte par vous-même. Thank you.
Alex, que t'arrive-t-il ces derniers temps? Serait-ce ma présence qui t'importune? Alors, que vas-tu chercher là? Si avec quoi que ce soit, tu me l'aurais dit, n'est-ce pas? Mais oui, Milka, arrête de tout agacer pour moi, ok? Tout va bien, sauf... Je suis vraiment fatigué ces jours-ci, j'ai beaucoup à faire. Donc j'ai raison de me quitter. Tu pourras pas longtemps suivre ce rythme-là. Qu'est-ce que t'en dis si on allait dîner ce soir? Rien que nous deux, histoire de se retrouver, de parler de nous et non du travail. Qu'est-ce que t'en dis? Milka, c'est gentil à toi de te tracasser pour moi, mais pas ce soir, tu sais. Mais allons quand même dîner ce soir, ça pourrait te changer les idées. Milka, s'il te plaît, pas ce soir, ok? Un autre jour, vraiment, je te promets. Ok? Que se passe-t-il? Rien, mais on ne pourra pas aller au spectacle ce soir. Comment ça? Tu es malade? Non, pas du tout. C'est juste que j'ai un léger contretemps. Mais ce soir, je t'attends directement à la maison, ok? Bien, comme tu veux, chérie. Non, mais ne t'inquiète pas, hein. Promis? D'accord. Chérie, je t'aime, tu sais ça? Moi aussi, mon amour. Mika, tu peux me passer les clés, s'il te plaît? Et si on me demande, je suis pas ici, ok? Tu sais pas où je suis. Bien voilà, ça y est encore. La nature, les oiseaux et blablabla. Pas de stress, Mika. Toi, arrive après pour qui c'est atteint. Allez, passe une bonne journée, ok? Porte-toi bien. À demain. Satisfait ou remboursé? Telle est ma devise, cher ami. Je veux bien vous croire, mais... Besoin d'une démonstration. Prenez le téléphone. Appelez-la. Chérie, comment vas-tu? Ça va, Milka, mais qu'y a-t-il? Rien. Rien, juste besoin d'entendre ta voix. Bien. Et maintenant que c'est fait, tu as rassuré? Oui, Alex. Alors, je te laisse, car j'ai beaucoup à faire. On se voit demain. Alex? Oui, quoi encore, Milka? Rien, je t'aime, tu sais. Je sais, chérie. Je t'aime aussi, petite sœur. À demain.
Contre-temps, mon amour, c'était quoi? Tiens, ce contre-temps, c'est toi. Allez. Alex, ça va? Ce soir, nous allons jouer aux devinettes. Devinettes? Aux devinettes. Que tu puisses jouer, ok. J'accepte ta réponse, Kamimi, ma chérie. Car le seul voyage dont je rêve toujours, c'est une lune de miel. Quoi? Dis oui, mon amour. Dis oui, je t'en supplie. Si tu dis non, je te fais arrêter. Je te fais enfermer pour m'en rebriser le cœur. Oui, je te fais enfermer. Oui, je te dois une explication. Et c'est vrai que ces derniers mois, je t'ai un peu négligé. Oui, les a négligés. Bah, pas chez nous, mais on n'a rien à comprendre. On connaît Milka.
Et c'est pour ça que je viens là aujourd'hui, justement, pour me présenter, excuse-moi. Vous connaissez, Milka, comment on a travaillé dur ces jours-ci. Et qu'à cause de ça, je pratiquement négligé la vie privée. T'es ainsi bien que même moi, je me question, est-ce que je me rencontre une fille qui peut partager avec moi? Au monde que même le pas là, je me sens que là, le bon côté. Tu vois, au monde que je me dit que je connais de la nuit des temps, quoi. Si je peux me permettre, tu vois. Mm-hmm. Mais Milka, mon jeune monde là, il me prend le marier. Et peut-on connaître le nom de l'heureuse élue? Dominique. Mais Milka, qu'est-ce que j'ai jamais voulu? Menteur, salaud, traître! Il faut appeler une petite soeur. Qu'est-ce que tu as dit pour ça? Tu n'arrives pas à comprendre. Moi-même, qui est devenu petit, sentiment me touche à grandir jusqu'à ce que je sois adulte. Et c'est vrai qu'on pense que ça, je dis, hein? C'est vrai. Et tu sais quoi, Milka? Je te ferai vraiment quelque chose, ok? Il n'y a aucun moment de ma vie, j'ai fait un geste ou prononcé une parole qui aurait pu te faire penser que je te voyais autrement que ma petite sœur. C'était toujours considéré comme tel, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin de mes jours. C'est dommage que tu prennes cette nouvelle de cette façon. Je suis désolé pour toi. Tu sais, Milka, tu es ma seule famille. Réfléchis. Va au diable! N'est-ce pas que tu pleurais au téléphone que tu m'as appelé? Oui, mais t'as crié. Mais de bonheur, chérie, de vie. T'es enceinte? Mais non! Dominique, alors? Mon amour, sois un peu plus imaginatif. Non, mais quoi? Où est la voilette? Ou à Venise? New York? Hein? Non, pas au Brest. Un premier lot, au moins. Mariage. Non, mais qui bon état. Mais allez, réfléchis. Non, mais ça me déjoue. Claudine, dis-lui, il a assez cherché maintenant. Oui. Oui. Eh bien, mon amour, la nouvelle est tombée ce matin. Quelle nouvelle? Alex a demandé un mariage Dominique. C'est pas vrai, ça. Non, de Dieu, je vais à toi. Eh oui, notre bébé va se marier. Tu gardes ton sac. Allez, oh! Non mais Alex, qu'est-ce qui ne va pas? T'en fais une tête. C'est Milka. Elle est devenue folle de rage à l'annonce de la nouvelle. Allez, mon cher, allez, viens là. Viens là. Écoute, laisse-moi te dire. Le jour où Milka a rencontré Mathilde, c'est sûr que la parcelle de l'épisode. Allez, ne me dis pas que c'est ça qui va gâcher cette nouvelle, non? Hein? Et puis, laisse-moi te dire, la meilleure femme, c'est toi qui l'as. Bon, après la mienne, voyons. Allez, viens, chérie. Alex, chérie,
Je sais que mon comportement ces derniers temps n'a pas été des plus sages. Mais vois-tu, Alex, la femme qui est en moi s'est réveillée. Nous nous connaissons depuis si longtemps. D'aussi loin que je m'en souvienne, tu as toujours été auprès de moi. Notre enfance, et quand nous étions au collège, puis à l'université à Rio. Bien sûr, nous avons eu nos peines de cœur, mais cela n'a jamais affecté notre relation. Car jaloux l'un de l'autre, nous savions que personne n'aurait le courage ni la force de prendre une place qui finalement n'était pas la sienne. Et quand nous avons compris cela, même s'il n'y a jamais rien eu entre nous, nous nous sommes finalement installés dans notre tour d'ivoire. J'étais rassurée de te savoir toujours là. C'est là que fut mon erreur. Je n'ai jamais soupçonné un seul instant que cette tranquillité un jour serait anéantie comme elle le fut hier. Et même là encore, j'attendais que tu prononces mon prénom. Folle que j'étais. Mais tu m'as toujours si bien connue qu'une fois de plus, je ne te décevrai pas. Je t'aime trop pour cela. Et si pour te garder, je dois te voir partir dans les bras d'une autre, alors qu'il en soit ainsi. Tu peux bien, mon amour. Mais là où tu me donneras raison, c'est que tout ce qu'il y a eu entre nous, ça, elle ne l'aura jamais. Et pour conclure, le jour de ton mariage, je serai là. Et j'offrirai l'homme que j'aime à celle qui l'épouse. Ne t'en fais pas. Avec le temps, tout ira bien. Puisque je serai toujours là, auprès de toi. Tu peux compter sur moi. Je t'aime, Milka. C'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Demandez la charité. C'est quelque chose que je peux pas faire. Je vous demande pardon. Oui, vous sortez la caille, moi. Mais chère madame, vous m'avez appelé. Alors c'est à moi de vous demander ce que vous désirez. Je vous ai appelé? Mais oui, petite fille. L'horizon que vous avez chanté, c'est ma ligne directe. Et notant le désarroi, la douleur, la force de votre foi, j'ai dû venir rapidement pour constater l'urgence de votre cas. Vous voyez pas vous-même, dans la rapidité de l'action, je n'ai même pas eu le temps d'enfiler mes souliers. Mais... Réfléchissez un peu à ce qu'on pourrait faire ensemble. Votre bonheur, par exemple. Alex. Attention, tu
pourrais être brûlée. Ah, tu sais, avec toi, je pourrais en aller jusqu'en enfer. Comme sous tes gonnets. Milka, s'il te plaît, moins fort, ok? Relax. Mais dis-moi, est-ce que tu penses vraiment que ça va marcher? Oh là 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 là! Milka, regarde. Il n'y a rien de tel qui m'énerve pour que l'agent se doute de moi. D'accord? Reste tranquille et admire la suite. Dominique, rentre te reposer à la maison avec Claudie. Non, non. Dominique. Dominique, ce n'est pas l'ami qui te parle, mais le médecin. Il faut que tu ailles te reposer. Son état est stationnaire, ce qui veut dire qu'il est sauf. Rien d'autre ne lui arrivera. Ok? Allez, viens, s'il te plaît. Allez, viens. Et puis les deux autres médecins vont rester. S'il y a quoi que ce soit, je t'appelle. D'accord? Tout
tout ira très bien pour lui. D'accord? Allez, demain matin, je t'attends. Claudine, rentrez à la maison. Claudine, laisse-moi rentrer seule à la maison. Reste encore un peu. J'ai besoin d'être seule, tu comprends? Je comprends, mais es-tu sûre de pouvoir conduire? Il ne manquerait plus que ça qu'il t'arrive quelque chose. Mais non, Claudine, il ne m'arrive rien. Ne t'en fais pas. D'accord, je vais rester encore une petite heure et j'arrive. Laisse-moi t'accompagner. Détendez-vous. Vous avez bien vu ça. Mais nous nous sommes déjà rencontrés. Bien sûr, Monsieur Di Fiero, Luc Di Fiero. Nous nous sommes rencontrés à votre mariage. J'ai été invité par Milka, la secrétaire de votre mari. Allez-y, buvez un peu. Vous devez être fatigué avec tout cela. Reposez. Allô, ma chérie, comment vas-tu? T'as vu l'heure? Quoi, t'as vu l'heure? Il n'y a pas d'heure pour les braves. C'est pourquoi je t'appelle? Non. Vas-y, dis-moi. Devine ce qui vient de m'arriver, ou plutôt qui dort sur le sofa. Je me sens un peu forte. Oui, je vois. Et pour aujourd'hui, que comptes-tu faire? Bon, je rentre à la maison, me changer, puis je vais voir Alex. Ne dis pas plus. Je n'aime pas retenir un couteau dans une plaie. Mais ça va aller pour toi. Tu es fort. Oui, je sais. Ah oui, concernant la voiture, ne vous en faites pas. J'ai fait le nécessaire. Et parce que c'est quelque chose maintenant.
Et du reste, c'est juste un petit bobo de rien du tout. Après demain, on vous la livrera comme neuf. Franchement, je ne sais pas comment vous remercier. Je vous en suis infiniment reconnaissant. S'il vous plaît. Il y a de cela entre nous. Ok, bon, je ne sais pas si c'est mangeable, mais c'est quelque chose quand même. Merci. Merci, mais. Du café? Oui, s'il vous plaît. Beaucoup de sucre ou quoi, je ne sais pas. Très peu. C'est pas ça. C'est bon. Mais enfin, je t'ai arrivé au moins. Attends, j'entendais pas dans l'escalier. Chérie, tout va bien. Demi là. Fais, Dominique. Ça te passe, ouais? Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Hier soir, ou plutôt ce matin, quand je t'ai laissé. Sur la route, j'étais tellement perdue dans mes pensées que je n'ai pas vu une voiture arriver en face de moi. Ce n'est qu'à la dernière minute que j'ai fait un brusque coup de volant pour l'éviter que je suis entrée dans un arbre. Voilà. Dominique, c'est de ma faute. J'aurais pas dû te laisser rentrer seule. Mais non, Claudine. Je suis là, saine et sauve. C'est ce qui compte, non? Tiens, laisse-moi te présenter M. Luc Difféo. Il était en mariage. C'est lui qui m'a secouru. Claudine, si je peux me permettre. Merci, M. Difféo. Tout l'honneur pour moi. Tout l'honneur pour moi. Et c'est un miracle que j'étais là. Bien que j'ai échoué aussi. Si Dominique n'avait pas pu m'éviter, nous aurions été deux à atterrir au service des urgences. Sincèrement, c'est Dieu qui vous a envoyé. Bon, vu de cette façon-là, bref, Dominique, je me sauve et je te laisse entre de très jolies, de très bonnes mains. Encore, Claudine, on se voit. Dominique. Merci, Luc. Nous voyons plus tard, d'accord? D'accord. Bye bye. Alex, comment va-t-il? Ma chérie, son état est plus que stationnaire. Je vais le voir. Mais attends, repose-toi un peu. À quelle heure veux-tu que je passe te chercher pour aller le voir? Ne t'en fais pas, j'appellerai un taxi. D'accord, à plus tard. Repose-toi. Ok. Non mais qu'est-ce qui se passe ici? T'inquiète pas, maintenant ça va. Non mais qu'est-ce qui s'est passé? Imagine-toi que quand je suis arrivée ici, cette Milka tenait la main d'Alex puis l'a lâchée. Mais ce qui est drôle, c'est que le pot est redescendu aussi. Alors je lui ai demandé ce qu'elle lui avait fait, puis elle s'est sauvée. Mais pour qu'il soit manqué frappé là. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ça va? Oui, ça va. Comment? Tu n'es pas sorti de toute la matinée? Je me suis assoupie là. C'est pas bien du tout, mon petit chou. Et Alex? Oui, Alex. Alex, qu'est-ce qu'il dirait de te voir dans cet état-là? Comment? Lève-toi. Tu vas te baigner, je t'amène à l'hôpital. Je te donne 5 minutes. Let's go. Yeah.
Je m'excuse. J'étais perdu dans mes pensées. Alors, on y va. Travailler, c'est pour Dieu. Et voler, c'est pas beau. Ça va, vous deux? Oui, ça va. Ange, laisse-moi te présenter Monsieur Luc Diferro. C'est lui qui m'a... Oui, je sais. Un grand merci à vous. Ah, c'est rien. Si vous aviez été à ma place, vous auriez fait la même chose, n'est-ce pas? Yeah. Bon, et encore, grâce à lui, aujourd'hui, j'ai eu le courage de sortir pour venir voir Alex. Il va bien? Il va bien, n'est-ce pas, Claudine? Oui, il va bien. Ça va? Oui, ça va, Dominique. Vous êtes sûre que ça va? Oui, ça va. C'est juste qu'on a eu une dure journée. Une dure matinée, tu veux dire? Oui, tu vois, je suis vraiment fatiguée. Eh bien, je dois vous laisser. On se voit plus tard, d'accord? D'accord. Ok, on y va, Claudine. Bonjour, mon amour. Tu as bien dormi, je suppose. Moi, non. Alex, dépêche-toi de guérir, je t'en prie. Je ne peux pas vivre sans toi, tu sais. Je t'aime. Alex, qu'est-ce qui t'arrive? Luc! Bouge-toi. Laisse-moi m'en occuper. Bouge-toi. Ne vous inquiétez pas, je vous accompagne Dominique, d'accord? Dominique, on y va. Bonne fin de journée. Non, mais qui c'est ce Luc? Toi aussi, tu le trouves bizarre. Hein? Claudine, s'il te plaît, tu ne vas pas recommencer avec tes histoires. Hé, hey, c'était juste une remarque. Eh bien, tu t'en tiens là. Oui, mais Luc, explique-moi parce que. Il y a quelque chose que je n'arrive vraiment pas à comprendre. Bon, Dominique, nous sommes au 21e siècle, n'est-ce pas? Les méthodes de traitement pas il y a une cinquantaine d'années. Elles ont plus d'actualité. Comme celle d'hier, demain sont évolues. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Les défaillances, on en trouve partout. Dans les lois, les voitures. Alors imagine-toi au niveau de la médecine, ce que cela peut donner. Oui, mais concernant Alex. J'y arrive. Apparemment, les docteurs ne savent pas ce qu'il a. Ils n'ont pu constater qu'un certain blocage. Mais toi, qu'est-ce que tu lui as fait? J'ai utilisé une méthode vieille comme le monde. Une passe magnétique, aussi simple que cela. Ok, alors moi aussi je pourrais le faire, l'apprendre quoi. Bon, ça c'est pas impossible, mais généralement, seules les personnes qui ont ce don peuvent l'exploiter. Donc, tu es le seul à pouvoir faire quelque chose pour lui? Dominique, relax. Il ne faut pas aller trop vite. Est-ce que tu es prête à m'écouter? Vas-y, je t'écoute, tu peux tout me dire. Voilà. J'ai des pouvoirs. On peut m'appeler sorcier, devin, magnétiseur, peu importe le nom. Ce sont les résultats qui comptent. Et là où se trouve Alex, je peux l'en retirer. Mais tout service, on appelle un autre. Tu es d'accord? C'est logique, non? Tu peux me demander ce que tu voudrais, combien ça va me coûter? Ben, je n'ai pas de Dominique, problème. Dominique, je ne parle pas d'argent. Ce que je te propose, c'est un pacte. C'est pourquoi il faut que tu réfléchisses bien. Quelle sorte de pacte?
Disons que tu signerais comme une reconnaissance de dette. Voilà, une reconnaissance de dette. Je ne comprends pas. Mais si cela n'est pas une affaire d'argent. Bon, un échange de services si tu veux. L'important, si tu es d'accord avec moi, c'est sortir Alex d'abord. Alex, c'est tout ce qui compte pour moi. Je donnerai toute ma vie pour lui, tu sais. Je te comprends, je te comprends. Maintenant, essaie de me comprendre. Le temps presse. Parce que les médecins, dans leur recherche, pourraient lui administrer quelque chose qui pourrait lui plonger dans un état plus critique aujourd'hui. Attention, Dominique, je ne dis pas ça pour te faire peur, mais pour que tu sois réaliste. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Claudine va arriver. Nous reparlerons de cela plus tard. Vous parliez de moi? Je disais simplement à Dominique qu'il était temps pour moi de me retirer puisque maintenant vous êtes là. Dominique, prends soin de toi. D'accord. Claudine, la jolie. Prends soin de toi aussi. D'accord. Bye bye. Bye. Mets-toi ici. Lui. Il n'était pas au mariage avec Milka? Oui. Et alors? Oui, sauf que je le trouve un peu drôle. Peut-être que tu as senti qu'il a un certain pouvoir. Comment ça? Et comme tout à l'heure, il a dit que tu arrives et voilà que tu es arrivé. Bah, moi ça je l'appelle coïncidence. Car quand je dis drôle, je ne parle pas de devin, mais plutôt qu'il y a quelque chose en lui de pas naturel, comme chez Milka d'ailleurs. Regardez derrière petit moment. Et puis, allez confier toute l'histoire ça à un étranger. Et merci pour la charité là. Milka, quel bon vent t'amène. Quel bon vent m'amène. Mais je viens tout simplement pour voir où on sent les choses. Moi, je pensais que Bagao t'a pas l'antigène plus rapide. Milka, assieds-toi. Regarde, j'ai d'excellentes nouvelles concernant l'évolution de notre affaire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Rien. Simplement cette toile. Et qu'est-ce qu'elle a la toile? Rien, c'est juste comme... Une impression de déjà-vu? Oui, souris les sarcons ça. Bon, ce n'est pas pour parler de la toile que tu es venu. Parlons de nos affaires. Mais si vous pas dit que j'en fais bon. Ok. Imaginons matin, sur votre petit environnement d'affronti promenade, je rencontre avec un commandant. Je côté à Claudine, je sentis tout ça me tressaillir. Je me balance un petit moment, je ne tombe pas la veine. Ah. C'est mon monde fou. Non, Claudine. C'est pas un monde fou, non? Parce que je n'en ai pas la veine, non? C'est comme si tu étais contre tout problème, moi, comme si tu étais contre toute vie. C'est ce problème où on a parlé, puis. Puis rien, Claudine. Mais dis-moi qui soit à faire.
si on nous dit que tu n'as pas boité Alex côté de l'IA. Et qui j'en prie le fait si même médecin n'est pas capable? Il faut qu'on ait quelqu'un de monde qui ait un pouvoir. Il y a des gens qui ont un pouvoir. Ou quand j'aimerais le ça moi-même. Moi, le ça, diable. Vous entendez? Je ne vais pas parler d'affaires magie, diable. Quand plus qualifié par ça, le passe magnétique. Passe magnétique, whatever, genre le là, c'est diable, ok? Claudine, diable ou pas diable, qu'est-ce que ça me fait pour mériter ça? Moi, quand je suis pile pour être dans le film, par un mourir, je suis toujours fait un genre pour me sortir là-dedans. Mais dernier pour ça, Claudine. Ça me fait pour mériter ça. Ça me fait, Claudine. Ça me fait, dis-nous. Qui ça me fait pour mériter ça? Moi, dis-moi. Putain, moi, t'es un diable. Ça a carré sur Alex côté lui. Bonjour, Ange. Oh, ton visite de docteur inflammateur. Les amis, Sarah. Tu ne crois pas si bien dire. Dominique, hier soir, a eu un léger malaise, nausée. Et ce matin, idem. Non, mais c'est vrai, ça. C'est vrai que tu as une petite mine. Tu penses à manger, normalement? Je comprends. Ce que je vais faire, je vais te prendre l'attention à te faire des examens de routine, prise de sang, c'est juste pour voir si tu n'es pas anémie, d'accord? Rien de bien grave. On y va? On va besoin de moi. C'est petit point qui j'en ai. Est-ce que vous amélioration dans les prévoir? Vous connaissez? Vous devez faire vite pour prendre décision. Comment excusez-moi, monsieur, même pas comprendre, non? Conseil ma bon petit point. L'ouvrir cœur. L'ouvrir côté qui est fond. L'ouvrir géo. Garder côté qui est loin. La vie, c'est un miracle. C'est bon Dieu qui baille ça. Ou prête pour mettre pion dans l'eau pour sauver Mario? Attention, n'en fais pas douce. C'est celle valable qui est capable. Celle valable qui est capable. Claudine? Mais c'est bon Dieu, vous et moi, dire ça à nous. Non seulement, il n'est pas fou, mais en plus, il est obligé. L'obligé, sous qui ça? Sous vous-même qui a des douettes pour être tout parti. Claudine? Allez, viens, mets-nous en côté pour aller réfléchir. Je vois que
Après les moments difficiles, tu n'as pas oublié le chemin de la foi. C'est bien, c'est très bien. Tu sais, j'ai l'impression que par moments, je ne sais plus où j'en suis. C'est normal. Ça arrive à tout le monde. Mais pourquoi Dieu, dans son infinie bonté, va-t-il envoyer cette épreuve? Justement pour voir en qui il avait investi. Et pour démontrer que, en dépit des siècles qui se passent, il est et il reste le Créateur. Tu comprends? Mais il devrait punir plutôt les mécréants, les assassins. Ça, Dominique, ça restera où il est tellement énervé. Et c'était pas. Peut-être qu'il ne pense pas comme nous, il ne voit pas les choses comme nous. Mais quand même, nous ne sommes pas là pour faire son procès. Tu as raison. Bon, je te laisse, on se verra plus tard. D'accord. Je passe te voir plus tard. Moi, ça va? Ça a été besoin. Rien, Claudine. J'étais juste étonnée où nous dans l'église. Bon, c'est ça que je dois me donner, non? Mais lui-même, il va dans l'église à l'église et tout. Vous-même. Ça va avec, Claudine. Ah. On est déjà avec lui. On quitte cause ça. On quitte cause ça. On y a un soir. Je vais aller dans la boutique là, je dis. Mais ok. Tu te sens comment ce matin? Très bien. Très bien. Allez, lève-toi un peu. Respire. Allez. Encore. Bien. Allez. Tu peux te coucher. Pas sentir rien du tout? Oui, on regarde un petit peu là-bas. Ah, t'en fais pas. C'est normal, on fait coopérer. Demain matin, douleur passée. Pas besoin de fatigue pour ça. D'accord? Et en plus, je t'exerte aujourd'hui. Donc, dans 2 ou 3 jours, tu pourras retourner à l'école normalement. D'accord? Ok. Ouais. Et docteur, oui? N'oublie pas de m'apporter les souliers. Ok, d'accord. Pas eu d'appel? Non. Claudine? Non plus. Ah, chérie. Comment vas-tu? Ça va. Tu m'as tellement manqué. Ah, moi aussi. Et comment est annoncée la journée aujourd'hui? Ah, très dur. Surtout ce matin, il y a eu 3 urgences. C'était pas beau à voir du tout. Tant que ça? Ah oui. Ah, on ne brûle pas. Par contre, ça m'a fait le moins ça. Regardez les mots qui t'ont soufflé pour faire réfléchir. Grégory! Oui, Claudine. Je vais te raconter ce que je viens de faire avant ton arrivée. Pendant que Ange s'occupait d'une urgence, moi je m'occupais d'une autre. Une fillette de 13 ans. Son nom conduisait. Il avait bu. Quand ils l'ont amené dessus du choc, elle a fait une fausse couche. 13 ans, Claudine. La matrice a lâché, j'ai dû lui faire un curetage. Mais le pire, tu sais ce que c'est? Le père n'était rien d'autre que son oncle. Et contre mais ça... Mais tu blagues? Je peux faire quoi, hein? Oh non! Dans ce foutu pays où rien n'est respecté, même pas les enfants. Alors, Claudine, ne sois pas choquée sur ma façon de dire ce que je pense. C'est la seule chose qui me reste, et encore... Voilà. Heureusement là pour faire briser tout ça, j'ai. Heureusement. Ouais. Attendez, non. Oui. Et concernant les analyses de Dominique. Ah, justement.
J'en fais un saut à la maison pour les déposer. Je les ai mis juste à côté du téléphone. Dominique les verra en rentrant certainement. Oui, mais qu'est-ce que ça donne? Il faut que l'on porte de cela sérieusement. Parce que ça va être un choc pour Dominique. Figure-toi que... Messieurs, bien sûr que la décision reste entre vos mains. Mais si vous voulez cet héritage, il va falloir prendre les choses en main. Et vous suivez du résultat. Là, vous mettez ma réputation en jeu. Je dis toujours, je n'ai qu'un mot. Satisfait ou rendu. Le temps, c'est comme ça. On va jamais le. Monsieur, excusez-moi un instant, s'il vous plaît. Milka, quel bon vent ta mère. Tu es encore là, hein? Ok. Wakmene, Sodi, tu as des affaires? D'abord, je te prierai de ne pas rentrer chez moi comme dans une bordelle. De deux, la moindre des politesses, c'est de saluer les gens qui sont avec moi. Est-ce que tu peux comprendre ça? Monsieur me donne une leçon de savoir-vivre maintenant? Bien sûr, je suis obligé. Parce que sans que tu aies oublié que tu es ici au même titre que mes autres clients. Si c'était tous comme ça, je peux dire que ce serait l'enfer. Ah, monsieur, pas de l'humour maintenant, hein? Bien sûr, parce que j'estime que vous, dans ce 21e siècle, vous en manquez. Et vous avez oublié toutes les bonnes manières. Ouais, et concernant tes affaires, moi, c'est mon besoin de quelques éclaircissements. C'est peut-être ça même, moi, bien là, je dis à toute mauvaise éducation que sous moi. Cher Milka, sous peu, vous aurez tout ce que vous méritez. C'est seulement une question de jour. Et si vous me permettez, j'ai une autre affaire. Monsieur, je vous présente toutes mes excuses. On dit souvent que le cauchemar de Dieu, c'est le diable. Eh bien, le mien, c'est cette femme. Se passe comme ça. Alors Dominique, il faut te ressaisir. Enfin, le temps presse. Comment ça, le temps presse? Je sens qu'il va se passer quelque chose. Et il nous faut agir vite. C'est tellement bien de se doucher et se changer. J'avais bien aimé faire autant. Non. J'avais juste commencé. Mais quoi? Excusez-moi, Claudine. Il y a une urgence à la salle 2. Alex. Alex.
Donc je signe et après, on court à l'hôpital où j'ai un travail à faire. Allez chercher Alex là où il est. Je te le ramène. Et après, on fait la fête avec Claudine et Ange. Aussi simple que cela. Il y a une difficile. Tu es sûr? Tu es vraiment sûr? Toujours, toujours cette question. Regarde, cette fois-ci, je ne réponds pas. D'accord? Le temps presse. Tu signes et après, tu peux me poser toutes les questions que tu veux. OK? Toutes les questions. Mais maintenant, tu signes. Attends-moi. Allô? C'est l'hôpital. Je te l'avais dit. J'avais raison, hein? Regarde. Tu n'as qu'à signer. Et tout ira très bien. Tu n'as qu'à signer. Je signe que je signe. Je signerai plus tard. Je n'ai plus la tête à cela pour le moment. Amène-moi à l'hôpital. Amène-moi à l'hôpital, s'il te plaît. Ok, d'accord. D'accord. On y va. Alex, 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 pas toi. Qu'est-ce qu'il y a, Claudine? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Demi, chérie, sois forte. Alex présente des troubles et on essaie de faire le maximum. Grégory, fais vite, amène-toi, on t'attend. Dépêche-toi, vite. Allez, poussez-le. Je n'ai pas voulu le faire, me donne pas.
pas vrai, c'est pas vrai ça. Dominique, tu es vivant. Tu nous as flanqué une de cette rouille. Non, Dominique, ne dis rien. Et je te souhaite bonne chance. Si. Tu sais, je t'avais sous-estimé. Tu es très forte. Et tu mérites d'être heureuse. Je suis bon perdant. Mais cela n'empêche que si tu as besoin de conseils, je serai toujours là pour toi. D'accord? Prends soin de toi, protège ton mari. Ton bébé maintenant. Comment? Quoi? Alors? Tu te doutes de moi encore? Mais bon, là maintenant, Alex, on va te laisser. Hein? Tu es en de bonnes mains. D'accord? Allez, Claudine, on est pas chez. Chérie, c'est comme si j'ai eu un drôle de rêve que. Ce n'était qu'un mauvais rêve. Tu sais quoi? Dépêche-toi de guérir. Car sous peu, nous allons être trois. Veux-moi finir l'exaucé. Où est ici? Mon cher, en dehors en faveur. Là, on va qu'un petit toi, dans le bras, poisson gémeaux. Et puis, prends soin. Parce que, puis, bel cadeau, c'est la vie. J'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Ne t'en fais pas. Une fois à la maison, je vais nous faire une bonne tasse de thé et je te raconte tout. Non, ne t'en fais pas, chérie, je te dis. Tu peux me faire confiance. Mais j'arrive. Ça, tu me fais quoi? C'est ça, le valable qui t'a pas. Tu veux le voir? Oui, c'est celle-là que je veux. Comment j'ai pris ça déjà? C'est celle-là que je veux. Tu peux l'aider? Quoi, tu veux la rouge? Non. Eh bien, à quoi est-ce cette bonne humeur? Eh bien, tout d'abord, ça devons me convaincre en pleine forme. Donc, à ce propos, vraiment, jusqu'à présent, j'ai mal expressé. J'arrive pas à bien en soi. Je ne sais pas. Tu veux du café? Mesdames et messieurs, je réclame votre attention, s'il vous plaît. Ce que j'ai à vous dire est très important pour moi. Il fallait que je le fasse devant vous. Allez, laisse-toi. Eh bien voilà. À vous voir tous les deux comme exemple, je me suis dit qu'il était temps pour moi de faire le grand saut. Alex, chérie, je sais que mon comportement de ces derniers jours n'a pas été des plus sages. Hein? Jusqu'à la fin de tes jours. Quoi? Veux-tu être ma femme? Je n'ai pas toujours une autre. Je fais très fort.
ça rien. Je n'ai jamais compris quoi. Mesdames, Messieurs, une de nos équipes est à Bourdon où actuellement nous apprenons qu'un accident de la circulation vient de se produire. Le conducteur, Madame Milka d'Ambreville, serait morte sur le coup. À notre prochaine édition de nouvelles, nous vous apporterons plus de détails. Signal FM au cœur de l'action. 200 ans après son indépendance, le pays se trouve. Imaginez-moi t'es un playboy. T'as joué à femme tant que yon game boy. Y'a femme qui t'es bon moins encore boy. Parce que m'te compte tirer sous tout toi. Pas de pensé si moi t'as trouvé une femme qui t'a fait vini cocoy. Oh, gâte l'amour fait moi avec les. Mais kounya y'a vrai les mouais et boy. Bye bye bye. Le moussa fait mes cols, fait manger dans le bol. Complètement. Iban mon lot caresse son lot vent. Tizi à l'éclairer qu'on diamant. Et qu'on est fait pour moi simplement. Les vli à pécoulon les taquiel. Le m'coute l'im sentim éternel. Oh, le mouli m'a rime avec ficelle. Parce que pour moi c'est lui qui est belle. Bye 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 bye. Modern dans la musique, t'es ma reine, suis ton roi. Cette chanson est à toi. Bye bye bye, bye bye. Tu me fais marcher sur l'eau, parfois je me transforme comme un crapaud. Après, t'as pris le vol sur mon dos. Elle boite, elle boite, elle boite. Boss, tu me fais marcher sur l'eau, parfois je me transforme comme un crapaud. Après, t'as pris le vol sur mon dos. Elle boite, elle boite, elle boite. Je m'en souviens, j'étais un player, un dealer, un liar. Car ma seule culotte, les femmes m'importent. Et qui disaient souvent, fais une bombe troute, nous sommes des croûtes. Qu'elle me joue foot dans route. Et toute la journée, dans ma ville enchantée, je jouais au canassa. Regardez le nana qui passait devant moi. Avec le tanga, avec un soldada. Je fais mon vif et ça, ma belle barina. Oublie tout ça, car tu me fais poser avec tes doux baisers. Car t'es gelé, tu me fais congeler. Alors, lève-toi pour danser en tout cas, zouké. Donne-moi un
baiser mouillé. Ou sans forme que yol voué. La môme son vrai boussole. Tu me fais marcher sur l'eau. Moi, je me sens comme un capot. Après, t'as pris le vol sur mon dos. Elle gote, elle gote, elle gote. Botte. Tu me fais marcher sur l'eau. Moi, je me sens comme un capot.